juste pour le début ça, parce que ce que je vais montrer tout à l'heure, quand je vais aller me changer, je vais revenir sur la piste, vous allez comprendre que c'est moi, maman Massia. Bizarrement, on dirait est étonné de ce que je dis. Bien, voilà, donc ça c'était le premier show de maman Massia, juste pour vous dire que bon, je pense que les enfants, les parents qui sont assis là-bas, Amadou Kierno et son ami Diamès, vous avez vu que bon, mais la danse c'est de l'art, vous voyez, c'est de l'inspiration. Bon, mais on a vu des acrobaties, tout et tout. Il y a un temps, c'est au gymnase. Vous voyez, moi-même, j'ai lancé l'éducation physique et j'aime bien ça. Mais là, la danse, c'est autre chose. Vous avez vu tout à l'heure, maman Massia, elle a essayé de bouger. Mais c'est un départ, ça. Bien, donc nous allons vous écouter maintenant. Parce que ça me plaît que c'est en quelques minutes que nous allons procéder à la pluie bientôt. Mais pour l'instant, nous allons inviter tous ceux qui veulent offrir une danse à l'honneur de cet événement assez exceptionnel. Ce sont 17 ans. Ceux qui veulent donc offrir une danse à l'honneur de cet événement, je parle spécialement des femmes. Est-ce qu'il y a des femmes dans cette salle qui veulent offrir une danse à l'honneur de l'anniversaire de maman Massia? Ce n'est pas un concours de danse, c'est juste un geste. C'est de manière symbolique. Donc s'il y a une femme qui est dans la salle, bon, je vois ici dans la salle des Maliennes, des Togolaises, des Béninoises, des Ivoiriennes. Alors celle qui veut leur offrir une danse, où est mon collègue Domino? Voilà, ok, parce que lui, il va parler en élevé, plus bon. Donc, s'il y a des femmes, bon, s'il n'y a pas de femmes, ok, il y a une manière qui arrive là-bas pour offrir quelque chose. On applaudit très fort à Madame Fatoumata qui arrive ici pour offrir quelque chose de spécial à l'honneur de notre maman Massia. Bien, donc, je pense que tu as préparé quelque chose. De l'autre côté là-bas, oui, Fatoumata, elle est malienne, mais c'est une grande dame de la communauté. Donc elle va offrir une danse assez spéciale pour dire merci à maman Massia. Oui, maman Massia, mais elle est où, Fatoumata? Ah, ça va, ok, elle va. Voilà, ok, il faut lui prendre le cahier, tout ce qu'elle a su dans les mains parce qu'on n'en a pas besoin. Oui, on a prôné Fatoumata. Fatoumata Keïta, c'est l'artiste filiale du président du Burkina Faso, Modibo Keïta. Oui, je sais tout ça parce que ça m'a été conseillé. D'accord, ok. C'est le secret d'État que nous sommes en train de faire sortir ici. Alors, Fatoumata va donc aller s'arranger avec le DJ. Et puis lui dire ce qu'il doit jouer parce qu'elle doit danser. Elle doit danser, faire bouger ce podium parce que ce sont 17 ans. Ce sont 17 ans, ça se célèbre, ça se vit. Et je pense qu'il y a une autre dame qui approche pour. Ah oui. Bien. Voilà. Parce que quand on joue la musique, je vois des femmes qui sont assises, qui bougent les pieds, la tête. Alors que c'est maintenant là. Oui, donc en attendant que le DJ repositionne cette musique de Fatoumata Keïta, bon, nous allons attendre. Oui, vous savez, Madame Fatoumata Keïta, elle est très, très orgueilleuse, méticuleuse.